Je suis extrêmement impressionné. En tant que directeur du département HR, même moi, je n'ai pas autant de qualifications. Et je connais très bien M. X, quand on était des très bons amis à l'université, et la recommandation qu'il a mise est extrêmement bonne. Pour moi, je vous trouve une excellente candidate. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier? Alors, c'est que Alors oui, vu qu'il est dans mon département, pour te chef, des moitans qui te indiquent qui pour épauler moi, qui les indiquent mon bien bosseuse et qui bien intelligente, bien respectueuse surtout. Mais là, me fait une idée. J'espérais qu'il te soit capable. Qui nous comprend toi tout ça. Madame, en fait, je pense que même pour travailler, pour bien active, pour être capable de tenir une compagnie bien, pour respectueuse, mais j'espère que bien analyse ma dossier, ma qualification, pour capable de bien être sa propre poste que vous pouvez voter là. Ça, je vous pouvez voter là. J'espère que vous pouvez vous comporter dans sa liste. Oui, madame, vous avez raison et vous avez remarqué que tu as une bonne manière. Son profil correspond à ce que nous pouvons donner, mais vous espérez que le directeur là pour prendre vous. Monsieur, tout, bonne chance. Merci. Merci. Bonsoir, bonjour, mademoiselle Alix. Candidat B, mademoiselle Yachna.
RH là. Ah mais ça m'a demandé là aussi. Ah oui, pas mal. Mais on travaille avec monsieur Béodor, compagnie du trait. D'après vous pensez qu'il nous donnait vos recommandations? Oh, monsieur V. Oui, vous pensez que oui. Parce qu'il est un bon manager. Mademoiselle Yachna? Ah, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah, mademoiselle Yachna. Ah, mademoiselle Yachna, moi j'ai du mal à l'expert. Vous parlez d'un candidat assez ok, mais vous trouvez qu'on fait des ans assez sérieux, vous êtes bien en accounting à l'université de Maurice. Et au résultat de Jesse, très bien, en fait. Mais moi, je vous laisse la parole à Madame Arrecton, vu que c'est dans ce département que vous travaillez. Madame Arrecton, que vous pensez aujourd'hui? Alors, Mademoiselle Yachna, qui poussou pour venir faire sa interview là et qui fait vos besoins pour ce travail? Fait ce travail là. Bon ben madame Yachna, au cas allez, on va faire au connaître. Ok, merci. Allez, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Candidat C, M. Jean-Yann. Ah, le meilleur vous la fin. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Ça va? Bonjour. Hey, vous êtes venu pour une interview ou pour jouer? C'est d'abord là. Mais il y a tout son monde, c'est vrai. Ah oui, je vois tout, hein. Monsieur Jean-Yann, on est bien foutu là. Ah oui. Vous avez simplement un billet en business finance, même pas en accounting. Et vous avez à peine fait la première partie du associat qui consiste en 3 mois. Et bon, ben, la recommandation, les recommandations que j'ai eues dans 3 jobs différents, c'est que vous manquez d'expérience. Ici, on a besoin d'une personne qui a de l'expérience. Ben, je peux vous dire que ma collègue ne vous prendra pas. Ça, c'est une chose sûre parce que vous manquez d'expérience. Il nous faut une personne qui a de l'expérience. Et des qualifications. Et des qualifications requises pour ce boulot. Bon, ben, je passe la parole à Madame Arrecton. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le directeur. Ben, oui. Je ne pouvais pas vous prendre, sorry. Excusez-moi, désolé. Comment ça? On peut pas me prendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez qui je suis? Vous savez qui je suis? Calmez-vous, je suis Yann. Calmez-vous. Je peux pas me calmer. Vous savez qui je suis? Vous savez mon nom? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez le nom de ma famille? Monsieur, calmez-vous. C'est une interview. Je m'en fous. C'était mal élevé ce consommant. C'était son CV à la figure. Mais je ne pourrais pas prendre ce consommant pour travailler. Ce genre d'individu n'est pas acceptable au sein de. Quoi? Monsieur Yann, calmez-vous, monsieur Yann. J'ai ouvert au téléphone tout à l'heure. Calmez-vous. Non mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Non, calmez-vous, c'est un jeu, je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr là? Je suis sûr, vous savez qui je suis. Allez, oui, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. C'est une fois où je la viens, je trouve quelqu'un pour le département à Carlotte. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr là? Oui, je suis sûr. Tout est réglé. Tout est réglé. Allez, okay. Allons-y. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Natacha. Mais c'est inadmissible. Causez.
c'est un acte de corruption. Corruption? Oui. Vous ne connaissez pas moi, parler, c'est ça? Mais retrouve ça, jeune homme incompétent, hein? D'un directeur là. Elle se blanche, hein, madame? Avec qui on? Corruption? Monsieur Steven? Non, Natacha, on m'a trouvé, Natacha. Non, j'ai bien vu. Et il lui a dit, oui, on se voit demain au boulot. Il a dit ça? Natacha, et qu'est-ce corruption? C'est grave, Natacha. Je sais, mais j'ai vu. Mais vous ne te remplacez pas, on verra demain. Si le jeune homme arrive, il y aura des conséquences, madame. Je vous dis franchement. Oui, à demain. Bon. Oui, entrez. Madame Arécure, Madame Arécure. Oui, Natacha. J'ai vu le jeune homme, il est en train de travailler dans votre département. Qui c'est, Jean-Yann? Oui, Jean-Yann, je vous avais bien dit qu'il avait commis un acte de corruption. Non, je vais porter vérifier ça pour moi-même. Allons-y, Natacha. Oh, yo, allons-y, allons-y. Regardez. J'ai un problème. Un problème. Oui, monsieur Steven. On n'a pas entendu de ça dans mon bureau. Tout de suite, hein? Toi aussi, dans mon bureau. Allez, on y va. Mon chat à chat. Non, monsieur Steven. Explique-moi, monsieur Steven. Qu'est-ce que je dois vous expliquer? Que j'ai pris le jeune homme, que la fille? Oui, on avait décidé que c'était la fille. Vous savez qu'il est près de ce mauvais? Vous savez qui est son père? Non. Son père est notre meilleur investisseur. Si on le perd, on nous fait la faillite. Vous comprenez ça au moins? Mais monsieur, je vous ai vu. Il vous a donné de l'argent. Non. Tout de suite. C'est un acte de corruption. Non. Vous aurez des problèmes à cause de ça. Dehors, je vais demander de vous sortir d'ici. Si vous voulez pas être viré, dégagez. Je ne pourrais pas être viré vu que. C'est un acte de corruption. Je vous demande de dégager dans mon bureau. Natacha, écoute. Sautez, s'il vous plaît. Vous avez entendu? Deux. Avant que je finisse. Vous comprenez la situation de qui il s'agit? De M. Yann, notre plus grand investisseur. 48% de nos investissements viennent de sa compagnie. On le paye. On perd notre plus grand investisseur et on va au bord de la faillite. Vous savez ce qui s'est passé à 3 ans. Si M. Yann n'était pas là, vous savez ce qui s'est passé? On aurait été complètement à la faillite. On l'a pris. On le laisse pour 3 ou 4 mois. Ensuite, on le verra. Madame Arécure, peu importe comme je t'appelle, il s'agit là d'une personne très importante pour nous. Écoute, tu es chef du département finance depuis combien de temps? 2 ans? Natacha? Oui. Tu es la directrice du département de finances depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu as à me dire? Oui. Mais monsieur, on avait décidé que c'était la fille, Miss Alice, mais pas ce Jean-Yann qui n'a pas de respect. Moi. Je sais, je vous comprends. Mais on ne peut pas faire ça, monsieur. Bon, ok. Moi, je suis prêt à te donner une promotion. Ça te dirait de devenir la vice-directrice de la compagnie. Monsieur Steven, non, monsieur Steven. Je ne peux pas faire ça, monsieur Steven. Madame Stéphie, vous êtes sûre de ce que vous dites là? Vous refusez le poste de vice-directrice de la compagnie? Oui, monsieur. Ok. Je vous donne une dernière chance. Soit c'est ça, soit je vous fous la porte. Le mettre à la porte. Monsieur Steven, j'accepte. Ah, on est tombé sur un accord. À présent, si à cette secrétaire a appelé la petite dans mon bureau, maintenant, je dois la parler. Oui, monsieur Steven. Appelez-la.
m'avez appelé, monsieur? Oui, monsieur. Vraiment désolé pour ta là, je me suis emporté. Écoutez, oui? Natacha, vous êtes ma secrétaire depuis assez longtemps. Oui. Ben, en ce moment, la compagnie est en chef d'un nouveau chef de département marketing. Et vous êtes très professionnel. Je vous donne le poste, carrément. Ben, je vais réfléchir à votre proposition. Ah, en tous les cas, merci. J'accepte vos excuses. Et ben, on continuera dans des bons termes. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Mais comment aussi me faire une proposition pareille? Non, mais c'est hors de question. Non. Allô? C'est bien les cas?